sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. De la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier d'en bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Cependant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. A bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris deux fois. Non, trois fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris trois fois. Cependant, la troisième fois, tu en as pris bien moins que les deux premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait?
D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Dans la marmite, ça ronronne. Ça n'arrête pas de ronronner. Encore plus fort que papa quand il dort le débouché. Ça ronronne, dans la marmite, ça ronronne. Ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dedans font des yeux comme des pommes. Mais moi, je sais pourquoi. C'est pas du lapin, c'est du chat. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. Graine aromatique qui sert à fabriquer l'anisette. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien aimé boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif, il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe et elle joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Et ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin a été formidable. On aurait peut-être dû prendre un peu de vin de Bourgogne australien. Je n'ai pas voulu apporter le vin à table pour ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Hier soir, je rentre chez moi et qu'est-ce que j'apprends? Que le chat a mangé la pâtée du chien. Dehors le chat! Sur ce vin, qu'est-ce que j'apprends? Que le chien a mangé la côtelette de ma femme. Dehors le chien. Sur cela aussi, j'apprends que ma femme a mangé mon beefsteak. Dehors la femme. En plus, j'apprends que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. Alors, j'ai fait rentrer tout le monde et je suis sortie. Sévère mais juste. Connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. Popescu, fils de Pop, Rosenfeld, non, juif. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt folklorique roumain. On n'a pas souvent ce genre de choses dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour les reins, l'estomac, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, homme d'État canadien. Qui soigne les enfants de nos voisins les Jones? On peut lui faire confiance. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors comment se fait-il que...
le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort. Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux ou tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Parce qu'un médecin consciencieux doit mourir avec son malade s'ils ne peuvent guérir ensemble. Le commandant de bateau périt avec son bateau dans les vagues. Il ne le survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Mais pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà encore pourquoi il aurait dû périr en même temps que son malade, comme le docteur et son bateau. Je n'y avais jamais pensé. C'est peut-être juste. Et alors? Et quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Oui, mais pas les marins. Naturellement. La 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 la. Pause. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, dans la rubrique de l'état civil, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Mais pourquoi prends-tu cette air étonnée? Oh, tu te souviens? On a été à son enterrement il y a 2 ans. Mais bien sûr que je me souviens. Je m'en suis souvenu tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi toi-même, tu as eu l'air si étonné de voir ça sur le journal. Mais ce n'était pas sur le journal. Il est décédé il y a plus de 3 ans, je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. Oh, c'était le plus beau cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y a 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était. La pauvre Bobby. Non, non, non. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne parvenait pas à les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Et ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a enfin pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je l'ai rencontrée par hasard à l'enterrement de Bobby. Ah. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Ses traits sont réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle soit belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et un peu trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier, tous les deux? Au printemps prochain, plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Et pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on
nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien. C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Oh, mais il ne leur manquait plus que ça, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Et qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. Le vieux Bobby Watson aime le garçon. Il est riche. Il pourrait très bien s'occuper de l'éducation de Bobby. Oui, ce serait naturel. Et la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, pourrait à son tour très bien s'occuper de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson, comme ça Bobby Watson, la maman de Bobby Watson, pourrait se marier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui ça? Bobby Watson? De quel Bobby Watson veux-tu parler? Eh bien, de Bobby Watson. Le fils de l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques sans jamais avoir rien appris. C'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache. Mais quelque chose me tourmente. C'est que celles de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, sa mère lui mit des pétards sous le lit, mais il sourit à peine. Puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors, couvert de sparadrap et buvant son tilleul, tonton nous déclara. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux. J'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau. C'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant le résultat proche, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Puis, sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en leur disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Devant ce résultat, Tonton ne se dégonfla pas. Il joua même les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné. Et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux. Mais je jure devant Dieu en mon âme et conscience qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincue d'avoir servi la France. On était dans l'embarras. On le condamna. Et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument. C'est l'autre Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Oui. Et pourtant, on y fait de bonnes affaires. Quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi. Le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence?
Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Oh, oh, tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche. Ou bien vous vous mettez de la poudre. Ou vous fardez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Qu'est-ce que tu dirais si nous, les hommes, nous faisions comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres et boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien. Oh, mon petit poulet rôti. Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Viens, nous allons éteindre et nous allons faire de l'eau. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme. Et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis on a lu le journal. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café, il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie, parce qu'il pleuvait, et il est parti, sous la pluie. Sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai mis ma tête dans ma main et j'ai pleuré. J'espère que vous avez passé un très bel après-midi, très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Il m'attendait. Il voulait pas entrer tout seul. Il devait dîner avec vous ce soir. Oui, nous les attendions et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. Hein? On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. Bah, c'est vous qui m'avez donné la permission. Ah, on ne l'a pas fait exprès. Mes excuses, madame,
Mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà perçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Et je ne sais pas si je vous ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. J'ai quitté la ville de Manchester, moi aussi, monsieur, il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres à 5:15, madame. You speak English? Vous êtes drôlement de fortiche pour parler anglais. La langue du bridge. Une langue au bridge. Beaucoup de sons et peu de lettres. Moi, je sais dire thank you. Yes, out, do you do, very nice, business, shocking. Comme king avec chaud devant. Chaud comme chaud très exactement. Alone, qui se prononce comme sable d'Olonne. Always et tramway. Sœur, comme ma petite sœur. Football et drugstore. Nevermore, nevermore. Je sais dire aussi kiss me baby, avec des mots comme ça, on passe partout, à Zanzibar, à Tombouctou, chez les Mongols et chez les Sioux, avec des mots comme ça, on mange partout de la soupe au chou. L'anglais, c'est aussi l'américain. Ça vaut le coup de se donner un peu de teinte, moi. En Amérique, pour parler anglais, on colle la chungole tout au fond du palais. En Chine, pour parler anglais, on vous coupe la langue et on vous la remet. En Irlande, il paraît que ça fait mauvais effet. En Écosse, les Écossais fourrent un petit pois dans leur trou de nez. Ça les amuse de tirer sans payer des sons de cornemuse. Ah, les Gallois, quand ils sont excités, répandent un anglais tout à fait à côté. À Valparaiso, faut aller au zoo. Le tigre du Bengale n'a presque pas d'accent. Sauf quand il a bu. Beaucoup de sang. Après lui vient le zébu. Ah, j'allais oublier. Il y a aussi les cockneys qui font de l'anglais un chiparmentier. Il ne voit jamais la reine. Ah, ça lui causerait trop de peine. Il sent cependant des milliers. En définitive, si on veut être objective, ben c'est encore les Anglais qui parlent mieux l'anglais. Leurs poètes sont très bons, because leur prononciation. Le plus grand qui est le pire, sans arrêt s'appelle Shakespeare. Les Anglais ne boivent que du thé. Ils sont un très très froid et tarabiscoté. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence! J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux! Peut-être bien, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible! Ce n'est pas exclu, c'est plausible et après tout, pourquoi pas?
Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyage quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre que c'est curieux, et quelle coïncidence! Moi aussi, monsieur, je voyageais en deuxième classe. Comme c'est curieux! Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième classe, chère madame. C'est bien possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, sixième compartiment, chère madame. Comme c'est curieux! Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, sixième compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle bizarre coïncidence! Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le sixième compartiment, chère madame? C'est possible, mais je m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oui, mais quelle bizarre coïncidence! Comme c'est curieux! J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre! J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. C'est bien possible, mais je m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion, madame. Je ne sais pas, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame. La dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ce devait être moi. Oh, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Mais quelle coïncidence! Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence! Eh bien alors? Alors, madame, c'est là que nous nous sommes vus, à ce moment-là, madame. Oh, c'est bien possible. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir, monsieur. Moi non plus, je ne m'en souviens pas, chère madame. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfy, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Brownfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés dans rue Brownfield, cher madame. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre, c'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au cinquième étage, c'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est bizarre, mon Dieu, et comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au cinquième étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre, j'ai un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec son lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les vatères et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence, oh mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les vatères, cher monsieur, et la bibliothèque. Oh, comme c'est curieux! Et quelle étrange coïncidence! Mais alors, madame, nous habitons dans la même chambre.
Et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Mon Dieu, quelle coïncidence! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Oh. Mais je m'en souviens pas, cher monsieur. La tête est un curieux organe, curieusement organisé. Il n'y a qu'à voir quand on nous trépane, généralement, c'est malaisé. Voici l'histoire singulière d'un certain Mathurin Lafleur, dont le crâne assez ordinaire n'était bizarre qu'à l'intérieur. Ce type souffrit dès sa jeunesse d'un mal en vérité courant, d'une mémoire assez traîtresse pour causer des désagréments. Sitôt il apprenait une chose dans sa famille ou au lycée, Mathurin, la mine morose, a instantanément l'oublié. Mais il avait vite oublié d'oublier ce qu'il devait oublier. Alors, comme il avait oublié d'oublier, il se le rappelait en entier. Vous suivez? Cette faculté trop rapide, loin de le faire en société considérée comme stupide, lui donnait la priorité. Oubliant d'oublier ses cours, Mathurin les retenait tous, et malgré son cerveau tout bourre, devint agrégé sans secousse. Mais un jour qu'il pleuvait à verse et qu'il courait vers le métro, butant contre un coureur adverse, il s'abattit comme un perdreau. Son crâne porta sur la pierre avec un beau bruit musical, produisant en sa cafetière un bouleversement fatal. Et désormais, il oubliait d'oublier d'oublier ce qu'il devait oublier. Alors, comme il oubliait d'oublier de l'oublier, il ne se le rappelait jamais. Vous suivez? Oui? Vidé par cet accident bête de ses souvenirs de toujours, il repartit place des fêtes, lui qui habitait à Cherbourg. Mais en chemin des veines infâmes, un autobus qui s'emballa sans souci de sa charge d'âme, devant Mathurin déboula. Ayant oublié l'existence des autobus et du danger, notre héros, fleur d'innocence, donna dans le monstre enragé, mourant sous les roues carnassières. Dans son crâne vague, il sentit une distorsion étrangère avant de connaître l'oubli. Mais il oublia d'oublier ce qu'il devait oublier. Qu'il oubliait d'oublier, qu'il venait de se rappeler. Oh, j'ai oublié la fin. J'ai une petite fille, madame. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blond et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence! Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans. Un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence! C'est peut-être la même, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Élisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Oh. Élisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Élisabeth n'est pas Élisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald
a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Élisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche, l'enfant d'Élisabeth, lui, a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les circonstances extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? J'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Détective anglais. Élémentaire, mon cher Watson. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps, mais nous avons pensé que nous devions vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos vêtements de gala. On n'a rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Oh là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, sans merde. Oh, monsieur, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Non, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Oh, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie, vilaine. Dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années à peine, qui quoi? Il ne faut pas interrompre, chérie, dégoûtante. Mais chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Oh. Un muscle. Eh bien. Il faisait quoi, monsieur? Eh bien, vous allez dire.
dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, eh bien, penché. Oh. Oui. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Oh, fantastique. Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Mais pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Et si moi-même, aujourd'hui, dans le métro, assis dans le sur une banquette, j'ai vu un monsieur qui lisait tranquillement ce journal. Oh, mais quel original! C'était peut-être le même. Vous avez remarqué comme les gens marchent vite dans la rue? L'autre jour, je rencontre un monsieur que je connaissais. Je vais pour lui serrer la main. Le temps de faire le geste, il était déjà passé. Alors j'ai serré la main à un autre monsieur qui, lui, tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes. Tout va trop vite. Dré! Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un, je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Dring. Tiens, on sonne. Ce doit être quelqu'un, je vais voir. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Oui, c'est ça. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Mais comment? Quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. Mais la plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et qu'à chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. La chose est plausible. Oui, en théorie, oui. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous donnez toujours raison mutuellement. Bon, eh bien je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée. Mais tu verras qu'il n'y aura personne. Ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. On sonne, il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. À chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Ah, il ne veut pas en démordre, hein. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Mais la chose est possible. C'est non pas si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Comment allez-vous? C'est la capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith.
C'est que, voyez-vous, ma femme se sent un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, madame la capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Cela ne vous regarde pas. Je te prierai de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Ma chérie, ce n'est pas grave. Madame la capitaine est une vieille amie de la maison. Sa mère me faisait la cour. Et son père, je le connaissais. Il m'avait demandé la main de ma fille en mariage le jour où j'en aurais une. Il est mort en attendant. C'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Mais de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Hein? Si, c'est elle. Non, c'est lui. Bon. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais... Un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, voilà. On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que lorsqu'on sonne, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose peut paraître étrange. Oui, mais elle est prouvée. Et non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux. Puisque madame la capitaine est là. Elle a sonné. J'ai ouvert. Elle était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois, que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois ne compte pas. Toujours. Voilà. Il n'y a que les trois premières qui comptent. Madame la capitaine, laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. Allez-y. Quand vous avez sonné que j'ai ouvert, c'était vous qui étiez là. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour rentrer. Je ne le nie pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Et tu ne peux pas dire que madame la capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Mais je te répète que je ne te parle que des trois premières fois, puisque la quatrième ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Ah. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre, hein? Il y a longtemps que vous étiez à la porte. Trois quarts d'heure environ. Et vous n'avez vu personne? À personne, j'en suis sûre. Et est-ce que vous avez entendu sonner la deuxième fois? Oui, ce n'était pas moi non plus, il n'y avait toujours personne. Ah, Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite! Et que faisiez-vous derrière la porte? Pas rien, je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais la troisième fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Et vous n'avez vu personne? Mais non, quand tu as ouvert, il n'y avait personne. Oh. Mais c'est parce que je me suis cachée pour rire. Ah, ne riez pas, madame la capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Oh, je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsque l'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un et d'autres fois il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le pense aussi. Ben, les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. Oh, on s'est déjà embrassés tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Madame la capitaine, puisque vous nous avez aidés à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Oh, je suis désolée, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venue chez vous pour tout à fait autre chose.
Je suis en mission de service. Oh, et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, madame la capitaine? Eh bien, puis-je devant tout? Oui, ne vous gênez pas. Nous sommes des vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous cela? C'est parce que, voyez-vous, j'ai pour ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir. Ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Il n'y a rien dans la cave ou dans le grenier? Quelque chose qui brûle? Bah, je ne voudrais pas vous faire de la peine, madame la capitaine, mais je crois qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. Bah, n'y manquez pas, vous me rendriez service. Non, c'est promis. Et chez vous, ça ne brûlerait pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal, il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux, ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va cette année. Le commerce, l'agriculture, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Ah bah, pas d'inondation non plus. Ah, mais il y a du sucre. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Ah, il y a aussi, mais c'est assez rare, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Oh. Elle l'avait oublié. Non, mais elle a cru que c'était son peigne. Oh, ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Eh bien, rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Roman anglais dans lequel la maison du vicaire brûle. Je ne peux pas, l'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils le font éteindre par des vestales. Prêtresse romaine, chaste. Allez voir chez Durand. Je ne peux pas non plus, il n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Ouh, il a fait ça tout seul. Clandestinement, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Moi non plus. Madame la capitaine, puisque vous n'êtes pas trop pressée, restez donc encore un peu, vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmante. Oui, 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 des anecdotes. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore dans les histoires de pompiers, c'est qu'elles sont vraies. Toutes et vécues. Ah, je ne parle que de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature, pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve donc pas dans les livres, mais dans la vie. Oui, bon, allez-y, commencez. Commencez. Oh, silence, elle commence. Ben, ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Elle est charmante. Bon, je vais tâcher de commencer quand même. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on n'écoute pas, on ne vous entendrait pas. Oh, je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est une gosse. La chère enfant. Moi, ma chère enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien. Et dit, pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Pardon, répondit le chien. Ben c'est parce que j'ai cru que j'étais éléphant. Ah, et quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Elle a raison. Bon, une autre. Un jeune veau avait...
qu'il est. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus, parce que le veau était trop petit. La vache fut obligée alors de se marier avec une personne, et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de quand? Comme les trucs. Vous la connaissiez? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, le coq voulut faire le chien. Mais il n'eut pas de chance car on le reconnut tout de suite. Oui, tandis que le chien qui voulut faire le coq ne fut jamais reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent rencontra un renard et lui dit « Mais il me semble que je vous connais. » « Moi aussi, » répondit le renard. « Alors, donnez-moi de l'argent, » dit le serpent. « Un renard ne prête pas d'argent, » répondit le rusé animal, qui pour s'échapper sauta dans une vallée profonde, pleine de fraisiers et de miel de poule. Le serpent l'y attendait, en riant d'un rire méphistophélique. « Rire diabolique !» Le renard sortit un couteau et s'écria « Je vais t'apprendre à vivre !» Puis s'enfuit en le tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif et d'un coup de poing bien choisi en plein front, qui se brisa en mille morceaux, il s'écria « Non ! Non !» Quatre fois non. « Je ne suis pas ta fille !» Mes félicitations. Pas fameuse, et puis je la connaissais. C'est terrible. Hein? Mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. C'est à votre tour, madame. Je n'en connais qu'une seule. Elle s'intitule Le Bouquet. Je vais vous la dire. Jeune fille avec ses fleurs séchées? Que faites-vous là, jeune femme avec ses fleurs qui se fanent? Que faites-vous là, vieille femme avec ses fleurs qui meurent? J'attends le vainqueur! Ma femme a toujours été très Rome antique. Une véritable Anglaise. Voilà. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit « Merci !» Mais d'avant qu'il lui dit « Merci !» Lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon. Et lui disant « Je les reprends », il les reprit et il s'échappa en s'éloignant par-ci, par-là. Charmant. Là, vous avez une femme, monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. Oui. Ma femme, c'est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Bon, allez, madame la capitaine, encore une autre. Oh non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatiguée. Oh, rendez-nous ce service. S'il vous plaît. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. Soit. Elle a accepté. Elle va encore nous embêter. Zut! Pas de chance, j'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était effrayé, avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vignes dont il tira un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin casanier, qui aimait rester chez soi. Adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée,
dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille, dont le bisaïeul, ancêtre, chétif, portait des lunettes que lui avait données un ancien cousin, beau-frère d'un portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même, frère de lait du fils d'un laitier, lui-même, fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié trois fois de suite, dont la troisième femme... J'ai connu cette troisième femme, si je me trompe, hein. Elle mangeait du poulet dans son guépier. Piège. Ce n'était pas la même. Mais chut. Je dis, et dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui veuve de bonheur... Comme ma femme. S'était mariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait un enfant à la fille d'un chef de gare qui avait su faire son chemin dans la vie. Ah, son chemin de fer. Comme au cas. Oui. Et avait épousé une marchande de 9 saisons dont le père avait un frère maire d'une petite ville qui avait épousé une institutrice blonde dont le cousin pêcheur à la ligne... À la ligne morte. Dont la ligne traîne dans l'eau. Avait épousé une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde. Mais puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, madame la capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Mais toujours ! On s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, madame la capitaine, recommencez. Tout le monde vous le demande. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir. Ça dépend d'heure qu'il est. Ah, nous n'avons pas l'heure chez nous. Ben, la pendule. Elle marche mal. Oui. Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous ? Que venez-vous faire ici ? Que madame et messieurs m'excusent, et ces dames et messieurs aussi. Je voudrais... Oh, je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je crois que la bonne de nos amis devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. Mais pour qui se prend-elle ? Vous êtes vraiment déplacée, Mary. De quoi vous mêlez-vous ? Oh, pas possible. Ici. Et vous ? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Vous êtes amis ? Et comment donc ? Oh, heureuse de vous revoir. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ah, ça n'est pas convenable. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je colle. Ça demande des mois, Turbin. C'est une vie de galérien. Je suis snob. Excessivement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Je suis snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, avec des noms comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je fais l'amour, c'est à poil dans la cour. Je suis snob. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Puma. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
S'il en était ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime tout de même pas l'avoir là, parmi. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Même si elle peut faire parfois une assez bonne détective. Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier, la seconde pour voir tes yeux, la dernière pour voir ta bouche, et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes vraiment attendrissantes toutes les deux. Mais un peu... C'est bien le mot. Un peu étonnante, hein. Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, mais incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, mais je ne dis pas ça pour vous, hein. Je voulais vous raconter... Ne racontez rien. Oh si, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Tiens, moi aussi, sans être bonne, j'ai lu mes poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardée dans la glace, tu ne t'es pas vue. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je vais vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un petit poème, alors c'est entendu. C'est un poème qui s'intitule Le Feu, en l'honneur de Madame la Capitaine. Le feu. Les polychondres. Poli, plusieurs camps brûlés. Brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prive, 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 prive. Chaleur dans ses vers. Oh, j'ai trouvé ça merveilleux. Oh, tout de même. Il faut pas exagérer. Bah, écoutez, c'est vrai, tout ça, c'est très subjectif. Mais ça, c'est ma conception du monde, mon idéal, mon rêve. Et puis, ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, même si ce n'est pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Oh, alors nous regrettons déjà votre départ. Oh oui, vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. Logique stricte. À propos, et la cantatrice chauve? Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah. Eh bien, au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Bah, espérons-le pour tout le monde. L'Irlande pour votre grand-père. On marche avec les pieds, on se chauffe au charbon et à l'électricité. Celui qui vend un bœuf aujourd'hui, demain aura un œuf. Et dans la ville, il faut toujours regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Oh, il faut penser à tout. Le plancher est en bas, le plafond est en haut. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. Ah, chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux.
Le maître d'école apprend à lire aux enfants. Mais la chatte allait ses petits quand ils sont petits. Cependant que la vache lui donne ses queues. J'aime la campagne. Je préfère le calme et la solitude. Oh, vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Physicien américain, 1706-1790. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William is a shop assistant. Edward est employé de bureau. Sa sœur Nancy est dactylo. Et son frère William est vendeur dans un magasin. Drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une boîte. Ah, mieux vaut un filet dans un chalet que du lait dans un palais. An Englishman's home is his castle. La maison d'un Anglais est son vrai pays. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Oh, je cherche un prêtre, mot de visite. Qui ne reconnaît qu'une seule nature à Jésus-Christ. Pour le marier avec notre bonne. Le pain est un arbre. Le pain aussi est un arbre. Et d'un chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le chat est pour le rat. Et le fromage, pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Mais ne soyez pas dindon, embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah bah le cirage! On fait pas brûler ses lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. J'ai mieux tué le lapin que chanter dans le jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. Quel décoloré! Quelle cascade de cagade! Les chiens ont des puces, les chiens ont des puces! Cactus, coccyx, cocu, cocardard, cochon! En caqueur, tu nous en caques! Oh, je ne me pondrai neuf que vous l'air un bœuf! Oh, laissez-moi grincer des dents! Caïmor! Crocodile! Allons, j'ai fait les relices! Je m'enferme, Acadia! Cabane! Au milieu de mes cacaoyers! Plantes de cacao! Les cacaoyers, les cacaoyères! Plantation de cacao! Font pas des cacahuètes, font du cacao! Les cacaoyers, les cacaoyères, font pas des cacahuètes, font du cacao! Les cacaoyers! Les sourcils! Les souris ont des sourcils, mais les souris n'ont pas de sourcils! Touche pas ma babouche! Pantoufle colorée! Bouge pas la babouche! Mouche pas la touche, touche pas la mouche! La mouche bouge! Bouge ta bouche! Mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche. Tu m'embouches. Oui, escarmoucheur. Escaramouche. Personnage de la comédie italienne. Ça t'y touche. Fausse naïve, vraie salope. Bon. T'en as une couche. Tu m'embouches. Cette nuit touche pas ma cartouche. Ouais, n'y touchez pas, elle est brisée. Sully. Poète français. Prudhomme. Pareil. François. Copé. Pareil. Copé Sully. Prudhomme François. Ouh, espèce de glouglouteur, espèce de glouglouteuse. Mariette, tu t'armites. Krishnamurti, Krishna. Oh, mystique indien. Le pape dérape, le pape a une soupape, la soupape n'a pas de pâte. Bazar, bazar, balsen. Maréchal français. Oh Bouzard, baiser! De l'eau à l'ail, tu l'es à l'eau, tu l'es à l'ail, de l'ail à l'eau, de l'ail à l'eau. C'est par là, c'est par ici, c'est pas 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 par là, c'est par ici. Madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà rencontré, madame, à Manchester, par hasard.
Amor et Psy, et ça s'appelle Moi et ma bouche. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à cette.